Bonjour à tous, Fabrice Donnard pour Bassiste Magazine. Dans ce numéro, je vais vous présenter quatre styles de music country. Le premier morceau s'intitule My Next Broken Heart. C'est un country shuffle et c'est un morceau issu de Brooks and Dunn. Alors, on va travailler lentement sur le couplet. Il y a trois accords. Enfin, le morceau est en sol. Il y a trois accords. Sol, Ré et Do. Donc, sol, premier degré. Ré 5e degré et Do 4e degré. Je vais vous le jouer lentement avec le métronome sur le 2 et 4. C'est-à-dire qu'en fait le métronome va faire ce que fait la caisse claire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le but du jeu ici étant de passer d'un accord à l'autre, par exemple donc de sol à ré, en faisant une walk, c'est une walking bass qu'on retrouve par exemple dans tout ce qui est jazz, en passant par les notes de l'arpège. Donc si par exemple on prend de sol pour aller vers ré, on prend par exemple le sol, après on peut aller vers un si, après on peut aller sur un ré, après un mi pour revenir vers le ré. Après il y a plein de possibilités différentes, on peut faire aussi bien une montée chromatique en prenant sol, Si, Do, Do dièse, Ré, voilà. She's been playing in a room on the strip for 10 years in Vegas. Every night she looks in the mirror and she only ages. She's been reading about Nashville and all the records that everybody's buying. Says I'm a simple girl myself, grew up on Long Island. So she packs her bags to try her hand, says this might be my last. Le morceau que nous allons étudier maintenant s'appelle Gone Country. C'est un morceau d'Alan Jackson et c'est dans le style des chansons de Nashville. Pour ce morceau, comme pour le premier morceau, on va mettre le métronome sur 2 et 4. Alors ce morceau, c'est un morceau binaire. Le premier est un morceau de ternaire, ici c'est un morceau binaire. Donc le but du jeu, c'est de coller exactement à la grosse caisse.
Le morceau Need You Now est un morceau de pop country. C'est le nouveau style de musique country qu'on peut retrouver aux États-Unis et qui est également très apprécié en France. C'est un morceau de Lady Antebellum. Comme pour les autres morceaux, on va travailler avec le métronome sur le 2 et 4. Donc, comme j'aurais dit, le métronome fait la caisse claire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Little bit of these working man blues. I keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend after I draw my pay, but I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I'll drink a little beer that evening, sing a little bit of these working man blues. Le dernier morceau s'intitule Working Man Blues. C'est un train beat et c'est un morceau de Merle Haggard. Alors pareil, on va mettre le métronome sur 2 et 4. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Pour ce style de morceau, on utilise une technique qu'on peut intituler la claquette. C'est-à-dire qu'entre deux notes, c'est-à-dire la fondamentale et la quinte, donc par exemple si on est en La, ça fait La, Mi, La, Mi, et pour être bien tight, on donne une impulsion sur les cordes entre les deux temps, qui est donc, enfin cette impulsion doit être bien calée sur la caisse claire. Donc ça fait... Et si on va vite. Afin d'avoir un son percussif, vous pouvez noter aussi qu'il faut lever la main gauche légèrement. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de creuser un peu plus le style country music. Alors, pour cette vidéo, j'utilise une Fender Jazz Bass, c'est une nouvelle série, c'est une Deluxe Active mexicaine avec une superbe couleur Surf Pearl. Vous pouvez nous retrouver avec le groupe Open Road Country Band. On sera notamment au Festival de Cambrai le 27 mai et au Billy Bob's le 30 juin et le 22 septembre. Un grand merci à Gilbert Ruiz qui nous fait la programmation du Billy Bob. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook Open Road Country Band.